Shekina, c'est un faux Dieu. Attention, chrétien. Shekina, c'est un faux Dieu. Attention, chrétien. Bonjour, bonsoir, salut. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, frère Maxem, captant des enseignements, quel que soit côté ou abtandel, dans le coin monde là, dans tout coin monde là, sur YouTube, sur groupe L'Église de Dieu en Jésus-Christ, dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, bienvenue encore dans l'enseignement ça. Bonne écoute dans la leçon ça, qui normalement parle enseigner à travers moi-même, qui c'est micro Saint-Esprit, le reporter de la bonne nouvelle du royaume. Shekina, c'est un faux Dieu. Attention, chrétien, calégez-nous. Et nous, mes amis, et nous connaissons les traditions et les gens qui manquent intelligents. Donc nous connaissons selon Romains 12, verset 2, qui sa parole l'a dit. Romains 12, verset 2, la donne cet esprit dit qui ça? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qui ça? À travers l'école de Dieu, Jésus-Christ, normalement, qui dispense des cours de révélation profonde des choses les plus cachées de la Bible, eh bien, c'est sûr que n'a renouvelé, n'a transformé à travers renouvellement intelligence. OK? À travers parole, n'a attendu. Parce que normalement, c'est but, c'est objectif, l'école de Dieu en Jésus-Christ, c'est démasquer. C'est démasquer tout ça qui te paraît noir pour vous, tout ça qui te paraît difficile pour vous, toute tradition. Ça veut dire, le nous temps de gagner de monde, cap de ces mots, nous-mêmes, nous pas répéter comme ça. OK? Pas répéter mot comme ça. Shekina, Shekina, Shekina. Son mot qui est écrit en français, S-H-E-K-I-N-A. Mais son terme d'origine hébraïque. Son terme qui d'origine la langue hébraïque. OK? Ça veut dire, en hébreu, il écrit comme ça. Il écrit S-H-E-K-H-I-N-A-H. Il écrit tout. S-H-E-C-H-I-N-A-H. Et il écrit également, troisième façon, troisième graphie, hébraïque là, il écrit S-H-E-C-H-I-N-A, sans H-A. Ça veut dire qu'il prononce Shekina. En français, il écrit S-H-E-K-I-N-A. Donc maintenant, attendez bien. Non seulement mot ça, il n'est pas dans la Bible, là, et il n'est pas dans le contexte dans la Bible. Là. Mais il est sorti, lors de Shekina, qui ça lié? Shekina, il est sorti, dans le judaïsme. OK? Il sorti dans le judaïsme, dans une secte juive qui relait Kabbale. Nous connaissons ça Kabbale. Eh bien, la Kabbale, c'est une société. C'est une société mystique. C'est une société magique. C'est une société secrète. OK? Qui, normalement, dirigée par Satan le diable. Mais, moun qui représentait Satan le diable là, qui n'a tête et Kabbalah, c'est lui-même qui relaie Shekinah. Donc Shekinah, il paraît sous deux formes. Il y a un beau qui fille, il y a un beau qui garçon, mais beau garçon plus manifesté. Ça veut dire monde qui servit avec garçon en plus, ou après il dit le Shekinah. Mais généralement c'est la Shekinah. Majorité monde est servi avec beau fille. C'est ça que fait dans le dictionnaire, remarquez bien, il est difficile pour jouer dans le dictionnaire, bon, le Shekina, ou après le dictionnaire, toujours bon, la Shekina, parce que la majorité de monde est utilisé, bon, fille, on femme grimelle, cheveux et blond, ok? On y paraît sous forme, on femme, on fille grimelle, cheveux blond, on grimelle, cheveux blond, et puis garçon, hein, on bon, ok? Son seul corps, mais qui gagne, on bon fille, on bon garçon, mais en bas, c'est et poisson lié. Attention, il faut être très, 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 très prudent. En bas, c'est poisson. Et parfois, il ne paraît sous forme tout. On a toujours été un beau garçon, une beau fille. Et puis, en bas, il y a forme, en bas, comme si, ouais, c'est forme une fille. OK? En bas, ouais, c'est forme une fille. Est-ce que nous comprenons qu'il y a un jeans bleu sur lui? Un jeans bleu. Attention, il faut être très prudent. Donc, c'est ça que fait, ou après, dans le dictionnaire, le plus souvent, on mettait la Shekina. Faut faire très attention. Mais,
c'est peu de monde qui servit avec bon garçon, hein. C'est ça qui fait au moins tendre le Shekina. Faut nous faire très attention, mes amis, les notes des moyens pour ne pas courir à utiliser sans nous pas contre ça on est dit. Parce que aucun doit dire un mot là, c'est même gens en étranger sur pas qu'on parle. Est-ce que nous comprenons ça me dire? C'est même gens en étranger sur pas qu'on parle. Ou après en Haïti, on prend exemple, ma pauvre petite parenthèse tout petit en tant que linguiste, en tant que professeur d'anglais, ou après en Haïti, négarien doit jouer on l'autre monde là, deux bouts de amis qui doivent jouer. Puis dire où sont forts, okay, mais nous sommes moins des forts. Excusez-moi l'expression, c'est juste une parenthèse, un exemple pour qu'on comprenne ça me veut dire pour pas jouer moi comme ça. L'autre nom monde dit un mot pas qu'on utilise sur pas qu'on ça le dit. En Haïti, on a des deux monde à jouer ensemble et puis il y en a dit là, ah monsieur sont forts, okay, monsieur sont moins des forts, okay, etc. Pendant ce temps aux États-Unis, sous du blanc ça. Ça peut dépendre du moment dit là, type de blanc dit ça tout. Vous comprenez, vous avez perdu dans la bouche. Vous comprenez, vous avez perdu dans la bouche. Ça veut dire que vous n'avez pas joué avec elle. Est-ce que nous comprenons? Vous n'avez pas joué avec elle. Ça veut dire que l'autre des gens dit Shekina, 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 pas courir, dis-moi comme ça, pas courir, utiliser comme ça ou même. Parce que, un, il n'est pas dans la Bible là. Deux contextes, c'est pas dans la Bible là. Maintenant, j'aime dire, moi dis son faux Dieu qui a une bonne femme, un bon garçon, mais une bonne fille. Les plus manifestés, c'est ça que fait, les du genre féminin, dit la Shekina. Donc, c'est peu de monde, moi, dit, qui a servi, et Jabza, qui utilisait partie masculine, qui c'est, ou après, même, il dit le Shekina. Même garantie, n'importe monde capteur de blanc, prendre n'importe dictionnaire ordinaire, ou bien un dictionnaire encyclopédique, vous comprenez? Ou prendre un dictionnaire ordinaire, ou besoin la Shekina. Ok? Sous un dictionnaire ordinaire, ou besoin la Shekina. Sous un dictionnaire encyclopédique, dépendamment du dictionnaire encyclopédique là, ou à joindre la Shekina. Donc, faut fouiller en pile et pour chercher en pile pour joindre le Shekina. Parce que c'est très, très rare. C'est très peu de monde qui servit avec bon garçon. Ok, maintenant, on continue. Ça veut dire, son démon qui baille en pile l'argent. Comment il est tête li? Il baille tête li signature gloire. Vous entendez? Il baille tête li signature gloire. Il est tête li, c'est Shekina de la gloire. Ok, donc c'est le nom complet, c'est la Shekina de la gloire, la Shekina de la gloire. Ça veut dire signature, c'est gloire. C'est ça qui fait moun kap servil ou pas mal pour qu'on ait, ou pas mal pour qu'on ait moun kap servil. Donc qu'on y a là, son démon qui entre dans en pile l'église dans le monde là. Son démon qui entre dans en pile l'église dans le monde là, en pile moun utilisé dans le monde là. C'est ça qui fait li facile pour qu'on ait si on moun pour identifier les gens qui ont servi avec des mots. Comment facile pour identifier les gens? Ou après les gens, ou après les gens, c'est quel que soit salta, il y a un prédicateur, il y a un pasteur, il y a un évangéliste, ou bien quel que soit nom, il y a un apôtre, ou bien quel que soit titre, il y a un autoproclamé et prophète. Mais ou après les gens, le plus souvent, ou après les gens, fait déclaration. Il y a dit gloire! Gloire! Attention, mes amis, il faut nous faire très attention. Pas répéter un bagaille, sans pas prêter attention à ce qu'on dit. Donc, on pasteur dans le micro, ou bien on prédicateur n'importe où, quel que soit titre li gen, et spirituel, li gen, li nan micro, là, il faut faire déclaration. Avant de répéter ça, il faut attendre ça, il faut prendre sens ça, avant de répéter. Attention, parce que moun nan ka fwa servi diable, son pa konnen. Li ka fwa bay diable gloire, son pa konnen. Li ka fwa honorer diable, son pa konnen. Est-ce que vous entendez? Ou pas qu'on doit dans l'église, pourtant nos pasteurs disent gloire! Et pour on répéter gloire, gloire qui ça? Pour qui ça le bac a dit gloire à Jésus? Pour qui ça le bac a dit gloire à Jésus? Gloire à Jésus de Nazareth? Pour qui ça le bac a dit gloire au Christ? Pour qui ça le bac a dit gloire au Seigneur? Pour qui ça le bac a dit gloire à Dieu? Pour qui ça le bac a dit gloire à Jésus Christ? Pour qui ça c'est gloire tout qu'on dit? Faut nous prudents, mes amis. Faut nous prudents. Pas en répéter n'importe bagaille après pasteur dans l'église. Non. Pas qu'à dire gloire qui ça. Gloire qui ça. C'est même gens, on ne pas qu'à arrêter dans le micro pour dire merci, pour dire merci et pour en répéter. Non. Ou pas qu'à en dire merci, en répéter après merci. Non. Faut dire merci Jésus. Et elle dit merci Jésus pour répéter. Merci Jésus. Pas de problème, on peut répéter ça. Ok? Donc c'est même gens, faut nous très prudents. Shekina, qui s'allie? Bon, c'est normalement un faux Dieu, est-ce que vous entendez? Qui n'a tête Kabbalah. Kabbalah, son société secrète, une société malfaiteur, une société diabolique, une société satanique, ok? Qui n'a dans le judaïsme, dans la culture juive là, est-ce que nous comprenons? Qui gagne démon ça dans la tête li, ok? Donc, nous connaissons, bagala déjà, nous connaissons adversaire bon Dieu, Satan le diable. Nous connaissons déjà qui s'est passé.
Ça qui est passé, qui fait Apocalypse 12, verset 11, d'où ils l'ont vaincu, l'armée ciel là. Les anges ciel, ils étaient vaincus à cause de qui ça? À cause du sang de Jésus. Ok? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils, ça, nous connaissons qui c'est les anges ciel, l'armée ciel là, et toute l'armée ciel là, qui était shootée. Vous comprenez ça veut dire non? Donc ça veut dire ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11. Pour qui ça? Parce que orgueil était monté, il était besoin de prendre place, bon Dieu, parce que bon Dieu était mal en pile pouvoir. Donc il mal utilisé pouvoir. Et bien cette place, bon Dieu, a été rangée comme pour l'albaï, bon Dieu, coup d'état. Et puis ça, bon Dieu, fait était shooté en l'air. Donc il était tombé du ciel. Est-ce que nous comprenons? Donc ça veut dire depuis lors, lui considérer tête lui comme malgré qu'on n'est pas capable mais qu'on est adversaire bon Dieu allié. Ça veut dire que ça le fait lui singer bon Dieu, lui singer bon Dieu pour le capable attirer autant de monde lui capable pour aller brûler dans l'enfer avec mes amis. Il faut faire très très attention. C'est ça que fait la Bible parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein, qui c'est yon seul Dieu, malheureusement, diable a kon Bibli, mais kon Bibla textuellement, diable a pas kon Bibla rhématiquement, diable a pas kon révélation profonde qui dans Bibla, malheureusement, li kon Bibla oui, mais kon texte noir sur blanc, même genre en théologien. Ça veut dire, mot Shekina ça, son mot, yo, son terme yon joué nan, yon branche qui est le démonologie, nan moun qui fait études théologiques avancées. Ça veut dire un monde qui fait maîtrise en théologie, qui fait surtout doctorat en théologie. Qu'est-ce que vous comprenez? Une branche en la théologie qui est démonologie. Eh bien, en la démonologie, il fait étude sur démon ça. Il fait étude sur démon ça qui est Shekina. Vous comprenez? Monde qui choisit servir bon garçon, ou après elle a parlé de lieu Shekina. Ça plus servir à Bofia, dit la Shekina. Maintenant, son terme qui n'est pas biblique, mais qui est théologique. Mais c'est dans la théologie avancée. Attendez bien, oui? Le mot Shekina n'est pas biblique. Le mot Shekina est anti-biblique. Le mot Shekina est plutôt théologique. Mais dans la théologie avancée. Surtout dans le programme doctoral. Ok, dans le programme doctoral ou dans le programme de doctorat. Il faut faire très, très attention. Ça veut dire, mot ça, ou pas besoin de chrétien à utiliser mot ça. Mais ou pas besoin, c'est seulement théologien qui utilise mot ça. Moun qui fait études très avancées en théologie, qui pas chrétien, bien entendu, hein, qui pas chrétien avant la théologie, ou bien qui, même l'a été chrétien, mais qui quitte théologie à, qui quitte théologie à influencer, qui quitte théologie à mener. Eh bien, c'est mon bouche, mon ça, ou attendre, non, démon ça qui est le Shekina. En dedans, il y a une branche qui est le démonologie, il a étudié tout type de démon. Ok? Donc, c'est là, mon Shekina a sorti, il faut nous faire très, très attention. Donc, la Kabbale, moi, te dis nous déjà, c'est un secte. C'est un secte qui sorti dans la culture juive là. Et Diabonia là, qui, dans la tête Kabbale là, hein, c'est le Shekina. Et Shekina ça, qui ça a eu d'où? Il faut connaître c'est lui-même. Attendez, oui? C'est lui-même qui représentait. Ou bien symbolisait présence. Attendez, oui? Il symbolisait la présence de Dieu sous terre. C'est ça qui fait faut nous faire très attention. Puis, il n'a pas là où nous avons dit bon Dieu. Nous avons dit bon Dieu pour nous courir dire c'est chrétien. Puis, il nous courir dire mon c'est pasteur. Si après, il le pasteur. Puis, nous courir croire c'est un bon pasteur ou bien c'est un bon apôtre, c'est un bon prophète, c'est un bon évangéliste ou bien c'est un bon frère. Ou bien son bonne sœur. Est-ce que nous comprenons? Dépendamment du sexe, mon. Attention. Pour qui ça? Parce que, monde qui n'a diable dans le monde, là, il y a ton pot en pile, il n'y a pas de dire bon Dieu. Mais qui est-ce qu'on a dit bon Dieu? Lucifer. Qu'on y a là, faut qu'on ait, comment pour qu'on si mon n'a pas de vrai Dieu? C'est le dit Jésus-Christ de Nazareth. Parce que selon Matthieu 24, verset 24, Jésus même a bouché dit, il y a faux Christ. Est-ce que nous comprenons? Et apôtre Paul lui-même, dans 2 Corinthiens 11, verset 4, il dit, il y a faux Jésus. Il y a faux Jésus. Ça veut dire, il y a faux Christ, il y a faux Jésus, mais pas il y a faux Jésus-Christ de Nazareth. Pas ça. Ça n'existe pas. Ça veut dire, il faut faire très attention. Lorsqu'on parle en maçon loge, l'abdou, il croit dans bon Dieu. Lorsqu'on parle de l'abdou, il croit dans bon Dieu, il croit dans bon Dieu exister. Lorsqu'on parle en kabbaliste, mon qui étudie Kabbalah, Kabbal ça s'écrit K-A-B-B-A-L-E, ou bien l'écrit C-A-B-A-L-E. Mon qui étudie Kabbal, ok, moun ki nan kabal, nan sek sa, yo rele yo kabalis.
Et l'adjectif de Kabbale, c'est kabbalistique. OK? Donc, l'adjectif de Kabbale, c'est kabbalistique. Ça veut dire, qui différence qui gagne entre yon moun qui nan et société Diabza, qui est le Kabbale là, avec l'autre société Diab, qui est le loge là. OK? Nous comptons de parler de loge. La franc-maçonnerie. OK? Couramment, communément, yon est le loge. Yon gagne le loge, oui, c'est ça. Yon est le loge. Et yon est le moun yo, franc-maçon. Et couramment, ok, dans le langage familier, dans le langage courant, qu'on a dit après Léo communément, il y a Léo et maçon loge. Qui différence qu'il y a entre eux, loge là, société diable, ça y a les loges, avec société diable, il y a Kabbale là. Eh bien, loge là, il invoque esprit. Et Kabbale là, il évoque esprit. Ça, qui différence qu'il y a invoqué et évoqué. Invoqué, c'est relé esprit. Ok, relé esprit. Et à travers la prière. OK? Ou invoquer esprit à travers la prière. Ça veut dire c'est là pour nous être diable, c'est bon gens, adversaire bon Dieu vrai. Ça veut dire nous même avec cet esprit bon Dieu dit là nous besoin de relire. Qui bon dit ça? Il dit ça dans Psaume 50 verset 15, il dit ça dans Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. OK? Et dans Psaume 50 verset 15, il dit invoque-moi au jour de la détresse. OK? Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça, c'est cet esprit bon Dieu qui dit pour elle. Est-ce que nous comprenons ça? Dit? Pourtant, le diable lui-même, il fait même bagaille là. Il fait malfaiteur, agent lui tout et invoquer. Est-ce que nous comprenons? Tant qu'on a l'âge, il a invoqué l'esprit. Il a invoqué, ça veut dire, il a invoqué à travers la prière, magie, mystique. Ok, dans l'âge, il a pas well. Il a invoqué, il a pas well. Et qu'on a là pour évoquer, à même, ou je viens évoquer dans le Kabbale. Kabbale là, même, malfecteur ou les cabalions, ils ont même évoqué l'esprit. Évoqué avait dit qui ça? Évoqué à yore l'esprit à même. Esprit apparaît yore elle-même. Yore esprit apparaît même vin fait théâtre. Vous comprenez? Vin fait théâtre, vin monter film. Est-ce que nous comprenons? Donc, Kabbale, c'est différent. Ça y est entre malfecteur Kabbale à malfecteur loge là. Kabbale, li évoqué et évoqué à qui? E accent aigu, V, O, Q, U, E, R. E, accent aigu, V-O-Q-U-E-R. Et invoqué à l'écrit I-N-V-O-Q-U-E-R. Maintenant, attendez, oui, malfecteur que les maçons loja, l'invoqué esprit, malfecteur que les kabbalistes, qui c'est kabbalistes, lui-même, l'invoqué esprit. Ça veut dire, il fait esprit à descendre, même fait simagri. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Kabbale lui-même, même, attendez, oui, Kabbale qui gagne dans la tête, li Shekina. Yo pas jamais réuni dans l'autre l'heure que minuit. Alors, l'aime dit minuit hein, dans nuit, dans mitan nuit. OK? Dans mitan nuit, 9h, 10h du soir et puis yo réuni souterrain. Hein? Souterrain. Ça veut dire tout ça m'a dit nous là yo, nous capable à le faire d'après les pour nous référence biblique, moi ba nous référence biblique, mais gen bagaille m'a dit, c'est pas yo c'est bagaille scientifique yo, c'est bagaille théologique. Par exemple, ça m'a expliqué là, c'est bagaille ou étudier dans théologie. Donc ça c'est bagaille moi-même moi étudier dans théologie. Est-ce que nous comprenons? Ou étudier ça dans théologie non on science non branche en dans théologie a on point en dans théologie a qui relait démonologie. En dans démonologie ou étudier type de démon. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est la donne moi là ça veut dire partie ça veut dire son enseignement qui est à la fois biblique et scientifique en dit l'autre façon. Donc c'est un enseignement qui est à la fois biblique et théologique. OK? Donc bibliquement on prend bonne référence mais et théologiquement ça m'a dit qu'on y a au même on pral vérifier tout ça m'a dit et puis on va joindre soit vérifier tout ça m'a dit on livre théologique dans programme de démonologie OK dans livre théologie on va joindre tout ça m'a dit donc ça veut dire Kabbale yo même qui ça au fait yo toujours faire réunion par yo opérer dans mitan nuit à partir de 9h 10h du soir et c'est de comprendre sous gros terrain côté gain gros terrain pour yo capable évoquer et faux démon yo pour me dit faux démon pour capable évoquer faux esprit yo ça veut dire démon yo ange déchu yo OK ça veut dire ange déchu ya OK tiers d'ange ça veut dire tiers d'ange qui était les bon Dieu était shooté Lucifer tiers d'ange qui était descend avec yo il était prend avec yo un peu était dans les lieux célestes et un peu était tombé sous terre et un peu était tombé reste était tombé dans la mer. Est-ce que nous comprenons? Donc ça veut dire faut nous faire très attention. Shekina moi dit encore, c'est un démon, thème ça pas dans Bible là. OK? Et qui wall Kabbale? Kabbale li là
OK, par exemple et Shekinah, les démons et les Shekinah, qui ça le fait? Il désigne mes amis oh. Shekinah mais qui ça le fait? Oui, alors Kabbalah. Kabbalah là pour le singer Bible. Par exemple, il y a toujours du comme ça, il parle de tabernacle et Shekinah et ça fait les, alors quand démons étaient les Shekinah de la gloire, il y a toujours du Shekinah, il symbolisait et présence bon Dieu dans tabernacle là mes amis dans cette alliance. Non. Ça veut dire ça son monde qui connaît qui pour dire moi-même OK moi-même moi connais m'a dit parce que je suis docteur également en théologie OK maintenant attendez bien oui Kabbalah qui ça le fait il singe parole bon Dieu mystiquement ça veut dire pour tromper petit bon Dieu est-ce que nous comprenons ça veut dire Kabbalah c'est dans sens ça et ou pas connons un kabbaliste ou pas être un kabbaliste ou pas connait facile. Mais comment on peut identifier un kabbaliste? Kabbaliste toujours avec bâton dans main. Kabbaliste toujours avec bâton dans main. Et qu'on soit identifié kabbaliste. Toujours à bâton. Il y a un coup de shampoing, il y a un gros rad rouge. Les a réuni, les a servi. Et qu'on y a là, et loge en lui-même, même comment on en maçon loge. Pour qu'on en maçon loge, ou après, de bon, on me mette chapeau laine dans la tête de maçon loge. Maçon loge. De bon, on me mette chapeau laine, maçon loge. Depuis un moment, il remet habillé tout de noir, maçon loge. Depuis un moment, bien dit oui, mes amis. Pas interpréter ça me dit mal non, parce que mon connais des monde qui a dit non, mais mon des monde qui gagne tenue noire. Oui, ou doit remet tenue noire. Pas de problème, ou doit remet tenue noire, parce que dépendamment de couleur peau, ou gon tenue qui plus fort bien, pas vrai? Ou gon tenue par exemple, ou pas qu'un monde noir foncé pour l'après mettre couleur noire tout le temps, ou étant son malfaiteur. On moun ki noir foncé pas capable d'appeler mettre couleur tout de noir. Donc après malfaiteur il remet habillé tout de noir. Est-ce que vous comprenez? Et maçon loge. Ça veut dire Kabbalah c'est une société moi dit ou mystique son société diabolique. Est-ce que vous comprenez? Qui normalement opérait dans la magie et nous connaissons selon Galates 5 verset 19 à 21 nous connaissons moun depuis c'est moun qui a pratiqué magie. Tout parle dans l'affaire. C'est ça, Galates 5, verset 19 à 21 dim. Galates 5, 19 à 21 dim qui ça? Depuis ces mouns qui a fait magie, qui a pratiqué la magie, attention, dans l'enfant brani. Ça veut dire, petit bon Dieu, même les ou pas malfaiteurs, même les pas en sorcier, ou pas sorcier, ou pas mambo, ou pas ougan, ou pas louga, ou pas champouel, ou pas zobo, ou pas bizango, mais petit bon Dieu qui a fait des marchés à ougan, qui a fait des maçon loge, qui a fait des travail avec diable. Ka ou gang ka bay mambo fait ti travail pour yo ou comprendre les gros problèmes tête fait mal y a checker al fait leçon depuis manquer mourir dans la fait droit ou aller ou pas le boule avec diable c'est selon Galates 5 verset 19 à 21 fait lecture pour moi. Donc ça veut dire mes amis faut nous très intelligent faut nous prêter attention à moyo pas jouer à moyo comme ça. Shekinah c'est un démon. Shekinah pas gros que rapport, il n'y a pas gagné pour louer avec la Bible, il n'y a pas gagné pour louer avec vrai Dieu. Donc, Shekinah, moi, dit, c'est démon qui n'a tête Kabbalah, et Kabbalah lui-même qui ça le fait. Kabbalah, lui, normalement, singe la Bible mystiquement pour tromper moun sous terre. Faut faire très attention à mot Shekinah. Et démon, il est Shekinah de la gloire. Shekinah de la gloire. Est-ce que nous comprenons? Et qu'on y a là, on va dire nos bagages, on va le saisir. Qui l'autre signe qui montre yon moun, c'est kabbaliste encore. Nous conjoignons ça yo, c'est un coup swap suivre garder football. C'est ça que fait et nous gain pour nous faire un enseignement spécialement sur le football. Attendez. Moun k'ap joue football yo, qui nan gros match et mondial yo, Argentine, Brésil, etc. Gardez bien nan main yo pour nous n'a pas le plus souvent nan main yo. Suivez bien pour nous. Nous avons toujours un meilleur gagné, un petit bagage de ficelle rouge. Il y a une couleur rouge. Petit ficelle, ça a une couleur rouge à la donne. Souvent, il y a un peu de temps. Il y a un petit ficelle rouge, il symbolise sang Jésus. Il y a un peu symbolise le Père, le Fils et Saint-Esprit. C'est ça que font chrétiens, pas qu'à dire le Père, le Fils et Saint-Esprit, pas vrai? Il symbolise le Père, le Fils et Saint-Esprit. Là où le Père, le Fils et Saint-Esprit, de qui soit qu'on y a parlé? Il y a parlé de la Trinité. Et nous connaissons Trinité, par exemple, dans la Bible, la Trinité, nous connaissons son bagage diabolique. Alors, il y a dans la Bible, oui, mais dans la Bible, il est diabolique, pas vrai?
Nous te voyons enseigner par ça déjà. Trinité, nous jouons dans Apocalypse 16, verset 13. C'est le dragon, la bête et le faux prophète. Ça veut dire, des poèmes moun nan. Tant qu'on veut d'être américain, hein, veut d'être américain, veut d'être français, vous comprenez? Veut d'être, ok? Bon, on dit de notre façon. Veut d'être mondial, yo. De pour, le plus souvent, ou toujours, ouais, avec un petit bagage rouge, tant qu'on prête un petit bracelet fait en fil rouge. Vous comprenez? Comment yo marine? Yo marine 7 fois. Yo marine 7 fois dans mes yo. Est-ce que nous comprenons? Et puis, les rouges. Est-ce que nous comprenons? Et yo supposé quitter dans mes yo entre 28 jours à 7 semaines. Entre 28 jours à 7 semaines. Ok? Donc, détail, ça, je ne sais pas qui ça gagne dans le détail 28 jours, 7 semaines. Non. Mais, c'est là que je connais l'information. Et soit le vérifier tout, tout ça m'a dit, ou abjoint tout ça m'a dit, ou abjoint dans le dictionnaire encyclopédique. Si vous avez un dictionnaire encyclopédique, ou abjoint sur Google. Ou abjoint sur Google. Information, ça m'a dit, ou abjoint tout sur Google. Ok? Donc, maintenant, vous avez un petit bras dans le mail, vous faites le faire. Yo marine 7 fois les mettre dans mes marine 7 fois et qu'on y a là yo supposé quitter dans mes entre 28 à 7 semaines kabbaliste yo OK moun ki dans sec qui les kabbala OK qui c'est un sec diabolique satanique moun sa yo c'est fond yo fond moun est-ce que vous comprenez et moun ki dans tête kabbala qu'on y a moun n'est pas démon non démon c'est Shekina moun ki dans tête kabbala moun sa li relé yo relé li petit mettre yo connaît les têtes yo connaît les têtes yo mettre. Donc, il y a un maître. Alors, il y a un maître qui est grand maître. Voilà, grand maître. Mes amis, c'est ça que fait. Attention à moun qui a dit grand maître. Nous te disons ça déjà. Grand maître, c'est titre qui est Lucifer, Satan, le diable, le serpent ancien. Grand maître, pas pour bon Dieu, grand maître, pas pour Jésus. Pas rien pour ouais à bon Dieu, à bon Dieu qui est vrai nom de Jésus-Christ. Non. Grand maître, depuis on dit grand maître, c'est Lucifer. Depuis il dit grand maître de Satan le diable a parlé. Donc dans Kabbala, moun ki nan tête Kabbala yo rele le grand maître et titre ça gen grand maître. Depuis c'est moun ki autant d'après les dans Kabbala grand maître dans Kabbala, depuis après d'a dit grand maître c'est dans tête Kabbala. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui-même physiquement qui représentait Lucifer et démon qui rele Shekina. Faut nous très faire très attention à ça. OK? Donc maintenant et nous connaissons la différence qu'on y a qui gagne entre le Shekina et la Shekina. Le Shekina, c'est pour garçon, hein, son démon qui gagne deux faces. On face fille, la Shekina, on face garçon, le Shekina. Mais il y a plus et bon, fille a plus manifesté. C'est ça que fait tout dictionnaire point ou après la Shekina. Mais prêtez attention ou après, il y a quelque monde qui dit le Shekina, ça veut dire ça cap servi bon garçon on dit le Shekina. Faut faire très attention mes amis et pour ne pas utiliser mot Shekina. Donc mot Shekina nous dit encore il est pas biblique. OK, il est pas biblique, il sorti mot Shekina, il sorti dans un secte malfaiteur, une société secrète mystique dans la culture juive là dans le judaïsme. OK, qui normalement mission c'est singer la Bible, tromper moun, tromper petit bon Dieu, ok, avec parole, tromper petit bon Dieu, avec opération yo, ok, avec religion yo, sec yo, yo tromper petit bon Dieu à religion sec yo, en comparaison avec la Bible, en comparaison avec la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Mais Shekina pas gagné pour le avec parole bon Dieu, ok? Donc, nous mettons faire recherche après ça. Nous dit Shekina c'est où jeune ça dans Kabbal monde magique monde mystique Kabbal d'accord donc ça s'écrit K A B B A L E ou bien C A B A L E bon Dieu bénis nous bon Dieu gardez nous il protège nous il sécurise nous à demain si Dieu le veut pour un prochain enseignement.